Alors bonjour à toutes et tous. Alors je vais essayer de faire vite, hein. Juste pour vous dire que les conditions météo de ce début d'année dans les Alpes-Maritimes ont été particulièrement difficiles, avec d'importantes chutes de neige rendant inaccessibles à moto les routes de l'arrière-pays. Je vous propose donc un film très Côte d'Azur, avec une introduction au parfum des années 50. On s'est bien amusé, Nad et moi, à vous concocter cette petite intro qui, j'espère, vous donner le sourire. De la Méditerranée, le nez dont le moteur n'est pas peu fier de vous présenter la Côte d'Azur, celle qui a su séduire Marlène Dietrich, Grace Kelly ou encore Ernest Hemingway. Qui ne rêverait pas de vivre au cœur de ces beautés et de cette douceur climatique ? Antibes, cité fortifiée, ne manque pas d'attrait pour le touriste en excursion et curieux d'anecdotes. Son fort carré et ses impressionnantes fortifications valent à elles seules le détour. Le marché pittoresque aux couleurs chatoyantes est une invitation à un voyage savoureux. Les marchands et leur accent chantant viennent des collines voisines chargées de produits aux mille couleurs, portant en eux l'âme de la Provence. Si Scott Fitzgerald n'a pas hésité à comparer je m'en ai pas un fragment de paradis, ce paradis est également celui des amateurs de motocyclettes. Il faut dire qu'ici les routes semblent avoir été faites pour la pratique si passionnante et technique de la conduite d'un bolide à deux roues. Oui, la Côte d'Azur est l'Eldorado des motocyclistes. Ils chevauchent fièrement leurs puissantes machines à la découverte d'une région aux mille parfums. La Grande Corniche est l'une des plus belles routes du monde. C'est le joyau de la Côte d'Azur. Même les Américains nous l'envient. Elle surplombe magistralement la mer Méditerranée et embrasse d'un seul regard le paysage époustouflant qui l'entoure. Cette route où les virages s'enchaînent à un rythme endiablé, le pilote et sa passagère seront heureux de trouver un peu de répit en traversant les villages typiques qui jalonnent la Grande Corniche. L'occasion de s'y arrêter et de savourer le célèbre apéritif anisé à l'ombre des canisses. Alors, amis motocyclistes, plus une hésitation. Venez découvrir la French Riviera, son soleil, ses plages et ses routes sinueuses.
C'est depuis les hauteurs de Nice, sur le mont Boron, que je vais prendre congé de vous. Je vous dis à vendredi prochain, portez-vous bien et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, ciao. Ah, je suis toujours en train de grimper. Alors, je suis au Mai, dans les Alpes de Haute-Provence. Et je suis en train de grimper sur les fameux pénitents des Mai. Ici, c'est l'univers des galets. Et je vais vous expliquer pourquoi.
En fait, j'ai l'impression que c'est moi le pénitent. Alors, ces galets appelés poudingues forment une roche sédimentaire constituée d'anciens galets provenant de rivières ou de bords de mer. Ici, l'érosion a créé d'imposantes falaises, elles font plus de 100 mètres de hauteur et elles évoquent un long cortège de moines, d'où le nom pénitent des mets. C'est bon, hein, Maxime, t'en sais plus maintenant ? Mais je t'en prie, quand je peux rendre service. Thinking you knew better than the other guys, riding on backbiting and get away with lies. No matter what it takes, who is gonna cry? The only thing that matters is you get what you desire. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done and you finally get your debt. An avenger served on a cold play. You hear the roar of the showdown when the world will stop. Without a sound and a moment, you will cry for help. That we only think about ourselves, oh yeah. The first time that I met you, thought it looked so sweet. I stood around for the hills, beating a retreat. And when I heard you talking with that alluring sound, should have recalled the sirens and how that things went down. I live in on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamer's withered grapes. But never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind. But I know for sure the day will come when you first realize what have you done and you finally get your debt repaid. And revenge is served on a cold blade. And you hear the roar of the shutdown when the world will stop without a sound. In a moment you will cry for help, and we only think about